Pierrette Dupoyer, comment allez-vous ? Très bien, comme d'habitude. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, Pierrette, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas... Il y en a encore pas beaucoup, je vous le rassure. Bon, très bien. On peut vous définir comme... on peut dire que vous êtes comme le Marco Polo du théâtre, en quelque sorte. Pas mal l'expression. Oui, c'est vrai que je parcours le monde entier avec comme bagage le théâtre, des émotions et l'envie de faire découvrir la langue française et puis les grandes valeurs qui nous gouvernent. Ah, dans combien de pays vous avez voyagé ? Alors, 70 pays. 70 pays. Plus tous les dom-toms. On peut vous demander depuis combien de temps ? Depuis 33 ans. 33 ans. C'est magnifique, ça. Voilà. Et alors, votre particularité, parce que si je parlais de Marco Polo, c'est parce que, en fait, vous partez pratiquement seul et vous faites tout vous-même. Voilà. Alors, je pars avec un technicien, quand même. Oui. Et le pauvre. Et des fois, me sert de garde du corps, parce que vu dans des pays difficiles, compliqués, en guerre. J'ai fait le Liban sous les bombes, j'ai échappé à deux attentats. Oui, j'ai fait le C'est pas sans risque, Alors, le théâtre. Je pars avec des missions qui me sont données par le ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai des gardes armés, je suis en voiture blindée, quand vraiment j'arrive dans un pays secoué par la guerre. Mais il y a quand même des moments difficiles. Au Rwanda, par exemple, il y avait des luttes ethniques entre les Tutsis et les Hutus. C'était pas simple de circuler, quoi. Donc, voilà. J'imagine. En Serbie, donc, vous partez en tant qu'ambassadrice de la ambassadrice de la langue française, absolument. Même dans des pays où ils ne parlent pas français. Absolument. Je me suis retrouvé au Bangladesh il n'y a pas très longtemps. Bon, il y avait 10 personnes dans la salle qui parlaient français. C'était l'ambassadeur, l'ambassadeur de France, l'attaché culturel, un gars qui était là pour Bouygues, je crois, enfin bref. Mais tous les autres étaient, voilà, des Bengalis. Mais on vient écouter la langue française et les valeurs que diffuse la France. La langue française est encore aujourd'hui confirmer. La langue de la littérature. Oui, des romans, du rêve. Ils connaissent nos grands auteurs, vous savez, au fin fond du Cambodge ou au Vietnam, on vous entend parler français. Alors, pas les jeunes qui ont 15-20 ans, soyons francs, plutôt les gens qui ont passé la cinquantaine et qui viennent vous dire « Ah, mais vous êtes français, mais je connais Montesquieu, Rimbaud, Verlaine. » Ils vous citent parfois des vers entiers de Lamartine. Incroyable. C'est parce que, incroyable. En fait, il faut dire que, voilà, vos pièces en fait sont centrées en général sur un personnage et alors ce sont des personnages haut en couleur. Je peux citer Léonard de Vinci, Apollinaire, Jaurès, Georges Sand, Sarah Bernhardt, Colette. En fait, ce sont soit de grands personnages connus du monde entier finalement, soit des grandes valeurs, la tolérance, la fraternité, le rapprochement des peuples. C'est important pour vous, ça. C'est capital. C'est le point commun de tous vos spectacles. Oui, parce que même dans les personnages que je choisis, je prends des gens qui ont une part d'humanité très importante, de manière à ce que le spectateur, je dis, puisse partir avec soit un choc à la tête, au cœur ou au ventre. Au ventre, parce que d'un seul coup, il découvre quelque chose qui le laisse complètement baba. Au cœur, parce qu'il a envie de pleurer, de vibrer. Ou à la tête, parce qu'il part avec une belle phrase du texte et qu'il a envie après de relire. Si je parle de Rimbaud, il a envie de relire Rimbaud. Et pas seulement les petits poèmes de l'école, mais la saison en enfer qu'il a jetée au feu après sa dispute avec, avec Verlaine. Donc, chaque fois, j'essaye d'apporter quelque chose de différent de ce qu'on peut voir sur Wikipédia ou de ce qu'on a appris à l'école. Oui, parce que, pour moi qui suis allé voir plusieurs de vos spectacles, qui suis un fan absolu, je dois dire qu'il faut préparer ses mouchoirs avant. Parce que moi, souvent, je pleure à chaque pièce. Alors, le spectacle que je vais jouer là sur la péniche, l'orchestre en sursis, on est en plein dans la douleur, la tristesse, mais quand même, une trace absolument nécessaire. Il s'agit de l'orchestre des femmes à Auschwitz. Alors, oui, c'est ça. Bon, on va en parler tout de suite, puisque vous abordez le sujet. Voilà. Donc, en fait, sur cette pièce, vous évoquez cet orchestre qui a véritablement existé. Ah, bien sûr, tout à fait. Et qui s'est formé à Auschwitz. À Auschwitz, tout à fait. Pendant la dernière guerre. Ouais. Et qui était formé de femmes juives. Alors, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y avait des résistantes, il y avait des communistes, il y avait des tziganes, il y avait, dans le camp, il n'y a pas eu que des juifs. Mais dans cet orchestre, donc, il y avait... Tous les mélanges. Et c'était dirigé par Alma Rosé, qui était la nièce de Gustave Mahler. Personne ne comprenait ce qu'elle faisait là, quand même. Elle avait dirigé le Philharmonique de Berlin. Et en fait, c'est l'histoire de ces femmes qui, pour échapper au four crématoire, disaient « Je suis musicienne ». Des fois, elle l'était vraiment. Des fois, elle n'était pas très... D'accord. Voilà, de façon pas très formée. Et puis, évidemment, il y avait les SS qui venaient et qui voulaient écouter du Schubert ou du Beethoven. Les personnes étaient emmenées à la chambre à gaz. Ah ben, si elles faisaient une fausse note, elles partaient directement. Ah oui, d'accord. Donc,
tant qu'elles jouaient bien, elles étaient sauvées. Elles avaient une ration de pain en plus et des chaussures, ce que n'avaient pas les autres. Ouais. Mais évidemment, il fallait tenir le coup. Donc, il y a eu des choses incroyables que je raconte dans le spectacle. Alors, il y en a quelques-unes qui sont sorties vivantes. Il y en a trois, notamment. Je voulais vous demander comment cette histoire est arrivée. Alors, il y en a trois qui sont sorties vivantes et l'une qui a écrit notamment l'histoire. Ouais. Ça a fait l'objet d'un film qui s'appelait Sursis pour l'orchestre. Et en fait, moi, j'ai adapté le témoignage de cette femme. J'ai rencontré ses nièces qui étaient encore vivantes. Et, Elles sont venues voir le spectacle. Elles sont venues voir le spectacle. Alors, elles étaient aux larmes parce que c'est leur tante que je joue sur scène. Mmh. Et puis surtout, pendant un an, je suis partie à la recherche des déportés. Alors, c'était très émouvant parce qu'ils se téléphonaient entre eux en disant « Il y a une femme qui est en train de parler de nous, de Auschwitz, de Birkenau. Il faut absolument voir ça. » Parce que des films, finalement, sur la Shoah, il y en a eu beaucoup. Oui. Mais des spectacles de théâtre, il y en a très, très peu. Il y en a moins de 5. Hein. Ah oui. La moins de 5. Comment vous avez eu écho de cette histoire? J'ai entendu parler du film et je l'ai vu, le film qui a été réalisé sur cet orchestre. Mmh. Et je me suis dit que là, il y avait un moyen d'allier l'art et la mémoire. Mmh. Donc, de faire jouer la musique, que la musique a un rôle très important et qu'en même temps, ça pourrait aider les générations futures parce que vous savez que la Shoah est au programme scolaire à deux moments dans le cursus. Dans le cursus. Ouais. Mais les profs n'arrivent plus à parler de la Shoah sereinement. Il y a du chahut, c'est horrible. Donc les profs m'appellent et je viens jouer ce spectacle dans les salles de classe quand il n'y a pas de... Voilà. Et les gamins qui sont en train de chahuter quand c'est le prof qui fait le cours sur la Deuxième Guerre mondiale, là, ils ont la Shoah devant eux. Ils ont Auschwitz devant eux. Ils voient la femme qui est pendue par les SS. Ils voient les capots qui frappent. C'est un spectacle très, très dur. Mais la vérité n'est pas toujours douce. Hein. Donc c'est un travail de mémoire et de transmission, ce spectacle. On regarde un petit extrait. Ah, c'est possible. Tout est possible. Pierre Dupoyer, vous êtes sensible au témoignage, en fait, j'ai l'impression, dans toutes vos pièces, en fait. C'est-à-dire que oui. Par exemple, quand je travaille sur Jean Jaurès, bon, il n'y a plus de descendants. Donc, je vais aux Archives nationales, je regarde ce qui se passait à l'époque de l'assassinat de Jean Jaurès, donc en 1914. J'essaye de voir s'il a eu une correspondance, s'il y a des biographies qui ont été écrites, etc. Pendant un an, je pioche le sujet, je ne pense qu'à ça. D'accord. Je ne pense qu'à ça. Et je rencontre des historiens. Alors, quand des gens ont encore de la descendance, c'est encore mieux. Marie Curie, j'ai écrit un spectacle sur Marie Curie. Oui. J'ai passé une journée entière avec la petite fille de Marie Curie. La petite fille de Marie Curie. Elle a vu le spectacle. Son frère, donc le petit-fils de Marie Curie, a vu le spectacle. Donc après, c'est une crédibilité aussi. Mais quand j'ai fait mon spectacle sur l'orchestre en sursis, Simone Veil, qui était dans le même camp, pas dans le même bloc de musique, mais au moment où cet orchestre a eu lieu, m'a dit, mais c'est incroyable, parce qu'elle m'a dit, moi, quand je suis arrivée à Auschwitz avec ma mère et ma sœur, le premier matin où nous nous sommes réveillés à Birkenau, qui était le Auschwitz II, l'Auschwitz des femmes, nous avons entendu de la musique. Et Simone Veil me dit, quand j'ai entendu de la musique, j'ai pensé, alors, s'il y a encore de la musique au creux de la barbarie, peut-être que tout n'est pas fini. Peut-être que tout n'est pas fini. Et je lui ai demandé l'autorisation de rajouter cette phrase à mon texte. Ça fait froid dans le dos, quand même. Voilà. Donc, vous parliez de témoignage. Voilà, on est complètement dans le témoignage. Hein, c'est sûr. Mais vous savez, il n'y a pas que des sujets historiques. Je fais un spectacle, là, au mois de mars, au Théâtre de la Contrescarpe, sur les violences faites aux femmes. Alors, malheureusement, actuel et plus que jamais, j'allais dire, il faut traiter ce sujet. À nouveau, il y a eu des films, des documentaires. Mais combien de spectacles ont osé aborder ce sujet? Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous croyez que le théâtre peut changer les choses et les gens? Alors, les changer, il faut être très humble, il faut rester modeste. Mais ébrouer leur conscience, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'on ne sort pas complètement indemne d'un spectacle qui touche à des choses qui sont dans le monde contemporain, qui vous ont frôlé. Bon, moi, je n'ai jamais été battue. Oui. Mais bon, j'ai eu des témoignages de femmes, j'ai vu des choses, je m'intéresse à ce sujet. Vous m'avez raconté qu'il y avait une personne qui était venue vous voir, justement. On peut raconter cette histoire. J'ai créé le spectacle à Avignon. Il y avait 90% de femmes et 10% d'hommes, en fait. Oui. Et des hommes qui étaient convaincus qu'il ne fallait pas frapper leurs femmes. Je veux dire, c'est bon. Et puis un jour, il y a un monsieur qui m'a attendu à la sortie, qui était bouleversé. Et qui me dit, mais presque prostré, il me dit, je ne voulais pas voir ce spectacle, je ne voulais pas venir. Et je sens qu'il était mal. Il me dit, c'est ma psy qui m'oblige à venir. Donc je disais toujours rien. Et il m'a dit, je vais vous dire mon nom. Et quand vous connaîtrez mon nom, vous comprendrez ce que je veux vous dire. Il se penche à mon oreille, il me dit un nom à consonance arabe. Oui. Et je ne comprends pas vraiment le nom, mais je n'ose pas le faire répéter. Et il me dit, vous comprenez maintenant? En tout cas, moi, maintenant, je sais et j'ai appris.
Et puis il s'en va. Les consonances de son nom, je me dis, bon, il était persuadé que je savais qui il était. Donc je me dis, il pense que j'habite Avignon ou la région. Finalement, je fais des recherches. Moi, vous savez, je ne laisse rien comme ça sur le bord de la route. Je m'empare des sujets et je veux savoir les choses. Oui, d'accord, vous allez jusqu'au bout. À chaque voilà, fois. Et j'ai trouvé que cet homme, donc, habitait la Drôme, avait fait de la prison pour violence sur sa femme. D'accord. Sa femme, avait été, voilà, sa femme avait été tuée de 26 coups de couteau bien des années après. Évidemment qu'on l'a soupçonné, alors qu'entre-temps, il était sorti de prison, il avait fait son taf en prison. Et donc, on a pensé que c'était lui. Sauf que ça n'a jamais été prouvé, donc il a été relaxé. Alors, il avait fait de la prison pour des violences faites à sa femme. Donc, il savait ce que c'était. Par contre, enfin, vu le regard de cet homme, je pense qu'il n'avait pas tué sa femme. Tout à coup, il n'a pas fait de prison, hein, du d'accord. coup, la deuxième ah, fois. Oui, mais quand il a dit « je sais maintenant et j'ai appris », il a appris ce que ça faisait à la femme d'avoir été frappée. Parce que ma femme, elle est frappée pendant des années. Elle finit par tuer son mari. Elle risque 20 ans de prison. Et l'avocat général, qui doit en plus l'enfoncer, l'a fait acquitter. Donc j'ai rencontré l'avocat général. À nouveau, je suis partie à la recherche. J'ai eu cette femme au téléphone plusieurs fois. On s'est écrit, parce qu'elle est encore bien vivante. Hein. Et je joue sa vie sur scène. Ça, voilà. Il faut être solide quand même. Vous êtes solide psychologiquement. Bah, disons qu'il faut pas. Pour intégrer tout ça. Il faut ne pas être passé par là. Ça veut dire que je pense que si j'avais été frappée, j'arriverais pas tous les jours, je serais submergée. Je suis la passeur d'émotions et de mots des autres. Je suis là pour les autres en fait. Ma vie n'a pas d'intérêt particulier. La vie des autres me passionne. Ceux qui ont été brisés, les enfants, j'ai fait un spectacle sur la maltraitance des enfants, les enfants en foyer. J'ai jamais été mise en foyer. Je veux passer des témoignages et me servir de l'art comme d'un outil de rapprochement et de compréhension. Voilà. Alors on va revenir à ce spectacle, l'orchestre en sursis. Qui sera joué là, sur la péniche. Qui sera joué là, sur la péniche. Ouais. Alors, bon, vous avez joué dans des endroits improbables. Oui, tout à fait. Mais une péniche, c'est aussi un endroit un petit peu insolite. Moi, j'ai envie de vous demander, ça change beaucoup quelque chose pour vous dans la préparation, peut-être dans le spectacle lui-même, de jouer comme ça sur une scène, sur une péniche. On va dans dire. La préparation, disons qu'on n'a presque pas de technique à disposition. Hein. Oui. Mais bon, je suis habitué, mais t'es arrivé de jouer au Capitole de Toulouse devant 1200 personnes avec 300 projecteurs et 7 techniciens, et deux jours après, la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine devant 12 détenus avec la lumière du néon. Donc, je veux dire, moi, je m'adapte partout. Donc, en fait, moi, ça ne me déstabilise pas du tout. D'accord. Je suis concentrée. Par contre, je sais que le public va être étonné. Parce que c'est pas courant d'aller voir sur une péniche un spectacle quand même. Ah non, c'est sûr. Alors c'est le même spectacle que je joue. On s'attend plutôt sur une péniche à un spectacle comique, du one man show ou des choses très drôles. Là c'est pas vraiment le cas. C'est pas le cas et c'est pas mon univers. Mais il y a des choses incroyables sur cette péniche. Oui, il y a des conférences, il y a de la musique. Mais moi mon domaine c'est l'humanisme et c'est la recherche de la vérité en fait. Donc les gens vivent quelque chose de tout à fait particulier. Tout à fait particulier. Et il y a des jeunes qui viennent. Hein. Oui. Faut pas croire que c'est juste les c'est gens. C'est ça, j'allais vous demander. L'Académie française, ils ont tous 90 ans. Enfin, non, pas tous, mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent parce que c'est festif d'être sur une péniche aussi. D'accord. C'est insolite, comme vous disiez. Oui, oui. Et vous arrivez à vraiment capter aussi l'attention des jeunes. Oui, parce alors. Que c'est vrai qu'aujourd'hui. À nouveau, il faut arriver à les saisir. Hein. Il faut arriver à les saisir. Vous savez, quand on joue pour des scolaires, c'est le challenge. Hein. Parce qu'un élève qui est déçu par une pièce de théâtre, n'y retournera plus jamais. Ça, c'est vrai. Si vous arrivez à le capter, c'est gagné. Et je dis toujours aux élèves, vous savez, demain, quand un copain va vous appeler au téléphone, si vous avez vu la télé, et vous dites, t'as fait quoi hier, t'as regardé quoi, vous allez chercher, j'ai vu quoi, Aluna, j'ai vu quoi. Si vous êtes allé au théâtre, vous direz, bah, j'étais au théâtre. On n'oublie pas le lendemain que la veille, on est allé au théâtre. Et pourtant, les jeunes n'y vont pas. Eh bien oui, ou très peu. Grâce aux profs, grâce à des démarches aussi, voilà. grâce à des émissions comme celle-là. Venez voir Pierrette Dupré, voilà. Parce que vraiment, vraiment, on en ressort transformé. Bouleversé en tout bouleversé. Cas. Moi j'y rencontre. Ça nous permet d'avancer. Voilà, c'est pas bouleversé pour être bouleversé. Non, mais ça sûr. Nous permet de réfléchir sur nous-mêmes. De se poser des questions. Voilà, se poser des questions. On n'est pas parfait non plus. Ah bah personne ne l'est. Heureusement, il y a du travail. Heureusement, comme ça on s'ennuie pas. Mais vous savez, moi j'ai rencontré le théâtre à l'âge de 12 ans. Oui. Parce qu'un prof de français nous a emmenés au théâtre à Lyon. J'allais vous poser la question. Comment vous, pourquoi voilà, j'aimais déjà les récitations. J'aimais les textes. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui aimait beaucoup lire. Il y avait beaucoup de livres à la maison. Mais personne faisait du théâtre. Et puis ma prof de français, bon, j'étais douée en français parce que j'adorais ça, et un jour elle nous a emmenés au théâtre. Et j'ai vu un spectacle, Guy de Maupassant, un mec tout seul sur scène, ça se faisait pas du tout à l'époque. Hein. J'avais 12 ans et demi en fait, hein. Donc c'est les années 60, il y a un petit peu, ça se faisait pas du tout. Je suis sortie de là, j'ai dit à ma prof,
Mais c'est du théâtre, ça, madame ? Elle m'a dit, oui, c'est une forme de théâtre. Je dis, mais c'est ça que je veux faire. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai... Bon, elle m'a dit, écoute, on va monter un cours théâtre au collège. Et elle a monté un cours théâtre. Et voilà. Alors, à 15 ans, j'ai pris un cours professionnel. J'ai rencontré mon ex-futur mari. D'accord. Je sais qu'on est pressé, hein, donc c'est mon ex-futur. Non, bon. En plus, maintenant, je suis veuve. Alors, c'est mon ex-futur veuve. On peut faire 10 émissions comme ça. Mais bref, et j'ai fait du théâtre ma vie. Et je n'ai jamais arrêté. Je vais vous poser une question. Bon, c'est une question un peu... Mais vous faites tellement de choses. Vous êtes vraiment merveilleuse sur scène. Vous êtes une vraie comédienne. Vraiment. Vous ne vous sentez pas frustrée de ne pas être connue, de pas Ah, mais pas du tout. Mais attendez. Mais on ne fait pas du théâtre. On ne fait pas du théâtre pour être connue. On fait de la télévision, du cinéma pour être connu, mais pas le théâtre. Plus on est connu, plus les gens nous aiment, plus mais non, plus c'est on pas. Enfin, de choses, vous voyez. Je sais pas, pas les gens de théâtre. Pas les gens de théâtre. Ah, ceux qui ont fait de la télé ou du cinéma et qui sont connus après vont au théâtre, oui, ça peut-être. Mais pas nous. Moi, j'ai fait du cinéma avec Fellini, avec Lelouch, avec. Bon, c'était Chabrol. C'était formidable, mais on passe des heures à attendre sur une chaise, on vous remaquille 10 fois. Ça, c'est pas venu. J'étais ravie, hein. C'était des belles expériences. Mais après, on m'a rappelé, j'étais pas là, j'étais à une tournée de théâtre, j'y suis pas libre, quoi. Non, moi, c'est le théâtre. Si on voulait gagner de l'argent et être célèbre, on ferait pas du théâtre. C'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça pourquoi ? Parce que c'est vital, parce que je pourrais pas m'en passer, parce que je me lève le matin en pensant à des personnages, à des idées à défendre. C'est votre vie. C'est notre vie. Vous ne vous imaginez pas arrêter le théâtre ? Ah, mais pas du tout. Et si je devais l'arrêter, je vais plus loin. Si je devais l'arrêter parce que, je sais pas, je devenais muette ou je sais pas ce qui pourrait me faire arrêter le théâtre, eh bien, je continuerai à en faire, je veux dire, je continuerai à défendre mes valeurs. Je vais vous raconter une petite anecdote, on a peut-être le temps, quelques petites minutes. À côté de chez moi, il y a un boulanger. Et ce boulanger, il fait un pain extraordinaire. Et un jour, j'arrive, il fait du pain extraordinaire et il baptise ses gâteaux avec des noms de poèmes. Il y a un gâteau qui s'appelle Rimbaud, un autre qui s'appelle Balzac. Ouais. Il rebaptise, vous savez, les choux à la crème, les éclairs au chocolat. Sympa, il met des noms d'auteurs. Il faut le faire, franchement. Alors, dans la boulangerie, vous dites, j'aurais 2 Balzac et 3 Sarah Bernard. Et les gens commencent à parler d'un truc. Bref, et son pain est excellent. Et... un jour, j'avais jamais vu ce mec parce qu'il dort la journée, bon, comme tous les boulangers. J'arrive et ce jour-là, il était là. Et je prends un pain de campagne et il me dit, mais vous le prenez tous les jours ce pain ? Je dis oui. Il me dit, alors comment il était hier ? J'ai écouté, j'aurais pas osé vous le dire parce qu'il est tous les jours excellent, mais hier, il était immangeable. Il me dit, je suis content. Oh, je suis content que vous me disiez ça. Il se tourne vers sa femme, il dit, voilà, tu m'as fait chier toute la journée, je savais que mon pain serait mauvais. C'est le pain de la discorde. Et j'ai trouvé ça, non, mais je trouvais ça génial. Parce qu'effectivement, un spectacle, c'est pareil, on fait du pain, on met de la levure, du sel, de l'eau, et on pétrit. Et on goûte, et ça manque de musique, on rajoute. Eh bien, en fait, je serais peut-être boulangère si j'arrêtais de faire de... Okay. Mais je ferais donc la même chose, parce que c'est la même chose. C'est faire lever la pâte et donner à manger à des gens pour du partage. C'est pareil. Parfait. Alors, on a une petite rubrique dans notre émission. Oui. C'est la rubrique actualité. Oui. Aïe, 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 attention. Ah, pas peur, pas peur, même rubrique pas peur. Rubrique actualité. Alors, justement... vous venez parler du pain. Alors, dans l'actualité, la baguette à 25 centimes, vous en pensez quoi ? 29, attention. 29, pardon. Oui, je suis au courant. Ah oui, mais tu vois plus que sauf moi. Attendez, bon, Leclerc a été attaqué, etc. Mais ils ont dit, mais ça fait des années qu'on a cette baguette à ce prix-là. Comment ça ? C'est pas du tout une nouveauté. Là, ils l'ont mis en avant et d'autres boulangers ont fait la même chose. Oui. Alors, évidemment, le grand débat, c'est on va faire mourir les petits commerces. Mais c'est le risque. Les artisans, justement, que vous aimez beaucoup. Oui, mais alors ? Et alors ? Attendez. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans la balance ? Qu'est-ce qu'on met dans la balance ? Vaut-il mieux avoir un pain de mauvaise qualité accessible à tous, comme au théâtre, des pièces médiocres accessibles à tous ? Sauf que le pain n'est pas médiocre. Sauf que le pain n'est pas médiocre. Vous pensez qu'il est bon. Et que des gens qui donnent à manger à leurs enfants tous les jours et qui savent qu'ils se privent, et Dieu sait qu'on est vraiment dans une période et d'un monde où tout est difficile, et manger, c'est une nécessité. Je crois que tout ce qui peut aider des gens pour à vous, survivre... c'est quelque chose de positif. Ah ben oui, et le pain est bon. Il ne faut pas dire qu'il est à 29 centimes, donc il est médiocre. On ira le goûter. Voilà. Alors, dans l'actualité aussi, on voit des choses inquiétantes, entre guillemets, apparaître. Le pass sanitaire qui passe en pass vaccinal, la prochaine étape, je ne sais pas ce que ce sera. Le pass, vous voyez ça comment, ce contrôle des libertés, l'instauration d'un pass, le contrôle de l'individu par d'autres individus, puisque ce sont les restaurateurs et tout ça. Est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Oui, moi j'ai deux façons de penser sur cette chose-là. La première, c'est qu'il fallait rendre le vaccin obligatoire dès le début. On l'aurait tous accepté.
on aurait tous accepté. Il y avait danger de mort, danger. Hop, vaccin obligatoire. Comme d'autres vaccins qui sont. Voilà, absolument. Attendez, moi, je circule dans le monde entier. J'ai l'hépatite B, j'ai le machin, j'ai la variole, j'ai la fièvre jaune. Je me fais piquer sans arrêt avec des rappels sans arrêt. C'est pas non plus la mort de l'homme, quoi. Non. Plutôt que de risquer ces choses-là. Donc, je pense que l'erreur a été de ne pas rendre obligatoire dès le début. On n'en serait pas là. Parce que là, évidemment, il rétropédale en permanence et c'est très compliqué. La deuxième chose, c'est que je suis dans un état de dépression terrible quand j'entends des gens dire « on est en dictature ». Non. Vous savez ce que c'est la dictature ? Moi, je sais ce que c'est. Moi, j'étais en 82, en Grèce, quand les colonels ont brûlé des poèmes, des livres, ont enfermé les gens parce qu'ils avaient osé avoir des livres chez eux, de Séphiris, de Yanis Ritsos. La dictature, c'est ça. Moi, je suis allé en Roumanie quand il y avait Ceausescu. Je suis allé en Serbie quand il y avait Milosevic. Je suis allé en Pologne quand il y avait Jaruzelski. J'ai vu la dictature de près. J'ai vécu là-bas. Mais attendez, la France, la dictature, mais voyagez, messieurs, dames. Non, après, ce qu'on peut peut-être argumenter, c'est que c'est un engrenage, c'est-à-dire qu'on commence doucement. Déjà, se passe, il y a quelques années, on nous aurait dit ça, tout le monde aurait halluciné. Oui. Donc c'est peut-être, je prends pas parti, mais est-ce que c'est pas justement un petit engrenage comme ça pour habituer les gens à être contrôlés, à se contrôler? Non, mais attendez, c'est la pandémie qui entraîne cette chose-là. C'est pas d'un seul coup, si on nous avait dit, tout à coup, vous n'avez plus le droit de vous habiller en rouge ou en bleu, comme ce livre Matin Brun. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre Matin Brun. Oh, il faut encourager les jeunes à lire ça. Hein. C'est à 20 pages, ça se lit en 10 minutes. D'accord. Vous n'oubliez jamais. Matin Brun. C'est de qui? De Pavlov. Pavlov. C'est très difficile à trouver. Oui. C'est un endroit où il y a deux personnes comme ça qui discutent. Et puis il y en a qui dit « Pourquoi tu es habillé en marron ?» Il dit « Ça, maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Et ton journal ?» Ah bah maintenant, il est... Ah, bref. Ouais. Et on voit que le marron est la couleur qui a été imposée par l'État à coup. Donc les chiens qui ne sont pas marrons, il faut les tuer. Enfin bref. Et on voit la dictature qui monte. Oui, ça, c'est arbitraire. Mais ce n'est pas arbitraire, ce qu'on nous demande. Il s'agit d'une pandémie. Il ne faut pas tout mélanger. Non, mais après, on va arrêter là. Mais moi, j'ai très optimiste. La stigmatisation aussi d'une partie de la population, tout ça. Enfin, voilà, on sent que les gens... Voilà. Mais à cause de la pandémie. À cause de la pandémie, oui. Enfin, à cause de la pandémie. Franchement, ce pays, on peut faire des grèves quand tout va mal. Peut dire à la télé que tout va mal. Il y a plein de pays où même chuchoter, vous ne pouvez pas le faire. On est gâtés. Où il y a des micros partout. Non, il faut continuer à être vigilant. Il faut quand même être vigilant. Il ne faut pas s'endormir. Voilà. Mais il ne faut pas non plus. Il faut préserver ce que nous avons. Il ne faut pas dire qu'on est en dictature parce qu'on n'y est pas. On n'y est pas, je vous assure. Je suis d'accord. Très bien, merci. Excusez-moi de mon... Non, ma véhémence. C'était très bien. On a une autre petite rubrique aussi. Ouh là là, parce que notre émission s'appelle Backstage. Oui. Alors, ça veut dire qu'en principe, on invite une personne qui fait partie des coulisses et qui vient parler de son travail en coulisses du spectacle. Oui. Mais comme vous êtes toute seule... Oui, je fais tout. Eh bien, Backstage, ça va être vous. Ah, d'accord. Backstage. Alors, en coulisses, comment ça se passe? Très bien. Oui, c'est moi avec moi, très bien. Vous entendez bien? Je ne m'ennuie jamais. Mais alors, comment ça se passe pour l'écriture, tout ça, c'est alors, en fait, moi, je raisonne au coup de cœur. Quelquefois, on me dit, mais tu vas faire quoi l'année prochaine? Je dis, je ne sais pas encore, parce que j'ai plein de choses qui m'intéressent. Les femmes battues, il a vraiment fallu que je tombe sur ce témoignage de cette femme que j'ai vue un jour à la télé pour que je me dise, mais il faut que je fasse quelque chose sur elle, quoi, voilà. Donc, en fait, je me plonge dans l'écriture. Le sujet, je le peaufine, je rencontre des gens comme j'expliquais. Ça prend combien de temps? Un an. Un an. En même temps, je pense mise en scène, je pense éclairage, je pense musique, parce que tous mes spectacles, sans exception, j'en ai fait 42, sont sur fond musical. Ce qui me permet d'aller à l'étranger, d'être en Azerbaïdjan, à Bakou, et qu'il n'y ait que 20 Français, mais que tous suivent l'émotion du spectacle. Parce qu'en fait, ils ont un petit résumé dans la langue de leur pays qui leur est donné à l'entrée. Et après, la musique, évidemment, est derrière. Hein. Et la musique, je la fais composer où je la trouve si elle existe. Et je vais voir la SACEM. Mais quelquefois, j'ai des compositeurs qui créent exprès pour moi. Donc, je pense musique, je pense éclairage, je pense décor, je pense costume. En même temps que j'écris. Alors, les costumes, tout ça, c'est vous qui les faites? Non, alors, je les fais faire, mais c'est moi qui dis, je veux ça c'est et vous, ça et ça. C'est vous qui voilà. Dit, voilà parce que ça. Je ne suis pas très couturière. La musique, j'ai pas c'est beaucoup vous temps. Qui composez? Non, je commande à des musiciens. Vous commencez, mais je dis, je veux un petit matin dans le brouillard. Je veux quelque chose avec du violon très fort. Et ils me composent, voilà, ils me font entendre. Des si fois, vous avez trop de brouillard, vous dites, on diminue. Voilà, j'ai on diminue, ils enlèvent du clavecin, ils rajoutent du piano. Des fois, c'est au téléphone. Hein. Je suis à Berlin ou je suis à Hong Kong. Et mon compositeur favori me dit, il habite en Corse, il me dit, je te fais entendre ce que j'ai trouvé. Je dis, fais vite parce que je suis quand même là à 18 000 km. Bon, bref. La lumière.
Je la pense, mais j'ai l'habitude, j'ai fait des études après, de régie. Vous avez un régisseur, c'est ça, vous lui alors, donnez des indices. Il part avec moi, voilà, ben, Avignon. À Avignon, j'arrive et vous je prends êtes le. Deux, en fait, alors. En fait. Alors, à Avignon, attendez, je prends le régisseur qu'on me propose. Mon régisseur, il est en vacances, ah, parce que le pauvre, il travaille toute l'année, on travaille beaucoup, beaucoup, on fait plus de 200 dates par an. Donc, je le mets au repos l'été et je prends le régisseur que le théâtre me propose, que je ne connais pas, donc. Je lui explique exactement, je fais un plan de feu, je sais ce que c'est. J'ai fait des études de régie, hein, de mise en scène. D'accord. Je suis allée chez Renaud Barrault, enfin, j'ai étudié mon métier de l'intérieur, justement, aussi. Hein. Je pense que l'écriture ne s'apprend pas, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, voilà, la mise en scène, les éclairages, la régie, ça s'apprend. Donc j'ai appris. Donc je fais tout moi-même. D'accord. Et c'est un choix de jouer. Vous ne pourriez pas jouer dans une pièce avec plusieurs comédiens, plusieurs... voilà. Très bonne question. Fédo, J'ai commencé comme ça, avec 30 personnes sur scène. Mais très vite, j'ai dirigé la troupe. Donc les premiers rôles, je les avais. J'ai épousé le directeur. Vous avez remplacé les personnages petit à petit. Non, mais attendez. Vous savez, une compagnie, c'est merveilleux. Oui, attendez. Vivez là au quotidien. Soyez le directeur, vous allez comprendre. Vous êtes le curé, le père, la mère, le comédien, il a mal au cœur, elle a perdu son passeport, elle a ses règles, elle n'est pas en état. Non mais attendez, c'est insupportable. Et j'ai pas appris mon texte. Non mais j'ai envie d'étrangler, moi, un comédien qui me dit ça. Mais vous aussi, ça peut vous arriver d'être malade. Eh bien moi, justement, je m'en prends qu'à moi-même, je suis seul sur scène. Alors, oui. J'ai pas le droit d'avoir un trou de mémoire. J'ai plus le droit d'être malade. Ben, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai un comédien qui m'a confié qu'une fois vous étiez à Avignon. Ouais. Et vous étiez cassé le bras. Oui, en trois morceaux, l'année dernière. Voilà. Et que c'était vraiment, c'était pas une petite oui. Ça commençait aussi à peut-être un rôle, etc. Et que vous n'avez pas voulu aller à l'hôpital. Bah, j'y suis allé, mais ils ont voulu m'opérer, je suis partie en courant. Vous avez dit, moi, il faut que je joue au théâtre. Absolument. Alors, dans la nuit, on a refait les costumes. C'était la veille de la première à Avignon. Hein. J'ai couru, alors je n'ai même pas en retard. J'ai couru au théâtre, je suis tombée, donc trois fractures. Le poignet, le coude et l'épaule, et l'humérus. Donc, gonflé, hématome, bref. Donc, l'hôpital, il me donne des antidouleurs parce que je hurlais. Et ils me disent, écoutez, vous allez rester, on va vous opérer, mais ça prendra une semaine. Hop, je suis partie. Ils m'ont dit, mais il faut signer une décharge parce qu'on vous a exagéré. Je signe où ? Hop. Et je suis allée voir les gens du théâtre, j'ai écouté, les régisseurs, venez. J'ai pas le temps, je peux pas faire l'avant-première, parce que mon horaire, je venais pour répéter, je suis tombée, donc quelqu'un après devait répéter, je pouvais pas prendre l'horaire de quelqu'un d'autre. J'aurais dit, voilà ce que je veux. Et pour la première, j'ai joué avec donc trois costumes. D'accord. Je faisais trois spectacles par jour. Hein. J'ai fait 72 séances avec le bras complètement bloqué. Et les gens ne s'en rendaient pas compte parce que j'ai improvisé dans le texte, vu justement que j'écris mes textes. Donc, je faisais un spectacle sur la Révolution française et je disais à mon mari, le docteur Guillotin, tu sais, ils ont emmené Condorcet, il s'est suicidé, mais tu sais, j'ai couru derrière la charrette, il y avait Camille Desmoulins, j'ai couru, je suis tombée, regarde, je me suis même cassé le bras. Donc, les gens croient que c'est fait exprès. Donc, en fait, j'ai improvisé chaque fois. Mais au moment des saluts, je soulevais le costume et là, ils voyaient le bras gros, violet, estropié, une attelle. Et je, vous inquiétez pas, tout va bien. Par contre, les antidouleurs... Oui, quand même. Voilà, voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure du théâtre ? Faut pas hésiter, allez-y ! Ne laissez personne vous freiner. Écoutez pas ceux qui disent « passe ton bac d'abord ». Attendez, mais vous... Ah, vous mais carrément, même avant le bac. Mais parce qu'évidemment qu'il va le passer, son bac, ou elle va le passer. Mais bien sûr que si. Eh bien, ils trouveront l'équivalent. Ils prendront des livres, ils apprendront des textes. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quand même, dans ce Mais si, dans le théâtre... Quand vous aimez ça, quand vous lancez là-dedans, forcément. Il faut y aller. Et ne laissez personne vous décourager. Moi, on a cherché à me décourager, personne n'y est arrivé. Si c'est votre passion, et pire, si vous vous découragez, c'est que ce n'était pas ça votre truc. Ah. C'est qu'ils ont eu de raison de vous décourager si vous laissez décourager. Si la flamme est là, elle restera. J'ai une question qui vient, mais j'ai tellement de questions à vous poser et on est pris par le temps, c'est dommage. Oui. Mais parce que c'est un métier où on est tributaire du désir des autres, finalement. Enfin, au cinéma aussi, autres, et partout. Au aussi. Ah, et c'est l'artiste. Ça qui est un peu périlleux, non ? Parce qu'on n'est pas sûr que, avec toute la somme de travail que vous faites, etc., comment vous pouvez être sûr que ça va marcher ? Mais c'est génial, parce qu'on n'est pas sûr, justement. On a le trac éternellement. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'ai un trac fou. Et même, je vous dis, devant 10 détenus dans une prison, j'ai le même trac qu'au capitale de Toulouse, devant 1200 personnes. Le trac, c'est la peur de ne pas être au rendez-vous. Le peur d'avoir convoqué des gens et que l'émotion ne soit pas là. Donc, c'est une exigence, une rigueur qui nous tient en alerte en permanence. On n'est jamais sûr de rien. Un comédien, il peut être au top de l'affiche, il peut être acclamé, moi, à Berlin, 1600 personnes. 4 jours après, j'ai joué dans une MJC, les gens étaient là, ils écoutaient, l'air hagard, et c'est pas possible. Jamais ils peuvent s'imaginer
que j'étais il y a encore deux jours à Berlin et que j'ai fait un triomphe devant 1600 personnes. On n'est jamais sûr de rien. Mais dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. Vous avez une force. Ça rend très humble. Ça rend, il faut être humble aussi. Hein. Pas facile. Mais les jeunes qui veulent faire du théâtre, il faut faire du théâtre. Bon, on pourrait vous écouter des heures, Pierrette. Ben, moi, j'aurais envie de parler pendant des heures, mais quoi. Mais on vous recevra de nouveau. Ça fait que 10 minutes qu'on parle là, non? À peine. À peine. Alors, on rappelle votre spectacle, donc l'orchestre en sursis. Voilà. Ici, à la péniche, la balle au bon. Le 26 janvier, le 26 à 20h. Janvier à 20h. Il faut venir à 19h30. Parce que il faut passer la passerelle. On m'a dit voilà. qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Oui. Donc dépêchez-vous pour réserver et pour venir. Nous, on viendra, ça c'est sûr. Super. En allant sur mon site, il y a toutes les infos. Voilà, il faut aller sur le site, donc c'est Pierrette Dupoyer. Voilà, www.pierrette-dupoyer.com. Enfin, même vous, Jean-Dieu Dupoyer, ça te. Voilà, merci, vous Pierrette. Trouvez. Merci Pierrette. Merci à vous et à c'était bientôt tout le monde. C'est un grand plaisir et c'est vrai qu'on. Dès qu'on vous écoute, on se sent transformé et on a envie de vivre nos passions. On a la chance d'être dans un pays où on peut encore vivre sa passion. Soyons vigilants, vous aviez raison. À bientôt. À bientôt. Et bonne route. Ah oui, bon ciel, bonne route. Au revoir. Bon, c'était bien, non? Ça va? C'était très intéressant. Ça va, on n'a pas trop dépassé. Non, je ne sais pas combien on a fait. Le temps. Je vous applaudis. Ah, merci. 34 minutes. Oh, c'est super. Avec ce qui a été filmé.